Bienvenue à Vyakti Parivar. Karan Karavanhar. Le don de Dieu. ब्रह्मा बाप एकांत प्रिय होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे जिस कारण स्वयं भी सदा शांति और सुख के सागर में समाए रहे और अन्य आत्माओं les signaux avyaktes du mois de juillet devenez brahmachari ceux qui suivent les activités du père brahma le père brahma est toujours resté intériorisé parce qu'il aimait la solitude et pour cette raison il était toujours plongé dans l'océan de paix et de bonheur, avec ses pensées pures et ses vibrations, avec son attitude et ses mots. Donnez l'expérience de la paix et du bonheur. Et vous serez appelé un Brahmachari. C'était galère. Om Shanti. Om Shanti. इस मास में दो बातें ली हैं एक तो बाबा करण करमनहार है और दूसरा Pendant ce mois, nous avons pris deux méthodes, Baba et Karan Karavanhar. Donc, pas seulement Brahmachari, mais Brahmachari. Les points du Murli viennent de Madhuban. Et tout ce que nous écoutons, nous continuons à le barater et nous nous en imprégnons pendant notre vie. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, c'était sur la solitude. La solitude, veut dire cela semble être seul, mais Ekant veut dire dans le souvenir du seul Dieu qui est l'océan d'amour. Il a toutes les vertus. Nous avons beaucoup de relations. Donc, il est l'océan et nous devons devenir des océans. Et lorsque nous devenons des océans, lorsque nous avons du temps, que ce soit 5 ou 10 minutes, nous devons aligner notre intellect vers le seul, l'unique. On dit que Dieu est quelqu'un qui n'a pas de fin, mais amenez votre intellect dans la profondeur de l'unique. Comment il est le donneur et l'océan de la paix et de l'amour. Quel est son travail, son devoir et quelle est la connaissance que nous obtenons de lui. De cette façon, nous allons nous perdre dans ce souvenir de l'unique et dans l'océan. Il y a beaucoup de vagues sur le dessus. Mais lorsque nous allons directement dans la nous devons devenir paisibles comme Brahma Baba qui allait souvent en solitude et il a toujours ressenti que chacun apportait son doigt de coopération hier aussi. Depuis 2 jours, nous avons fait ce travail.
que nous devons dire Adji et Baba. Nous devons dire oui et Baba chaque fois. Toutes les fois que vous dites oui, et à chaque fois, il dit oui, je suis disponible. Lorsque vous l'appelez, il est toujours disponible. Il y a deux méthodes dans le passé et même dans le présent. Nous avons eu des expériences et nous en avons encore, mais pour demain, le devoir que nous devons faire, c'est que dans notre vie, nous avons différentes sortes de méthodes. Il y a du bonheur, mais aussi il y a de la tristesse. Par exemple, il y a quelqu'un qui n'est pas visible, mais qui fait beaucoup de services. Donc, j'ai 63 parties qui fonctionnent bien en moi. S'il y en a deux qui ne fonctionnent pas bien, alors pourquoi devrais-je laisser le service? Il y a quand même 63 parties qui fonctionnent bien. Tout ce qui arrive avec le corps ou quelle que soit la situation, nous devrons continuer à barater. Nous pensons à ce lorsque nous arrêtons de penser aux problèmes, notre énergie reprend force. Nous devons rester dans le souvenir de Baba. Et c'est un des secrets que Baba a dit. Donc, il y a des situations et aussitôt que la situation arrive, il y a des soucis. Et lorsque les soucis arrivent, le pouvoir de l'âme se perd. Donc, nous devons réfléchir à ce que nous recevons. Donc, lorsque tout va bien, c'est le don de Dieu, n'est-ce pas? Donc, comment pouvons-nous augmenter nos actions élevées? Et donc, notre esprit va demeurer paisible et notre cœur heureux. Quelqu'un a dit, qu'est-ce qui va arriver maintenant? Tout ce qui va arriver va être bon. S'il y a des doutes, des soucis, de la peur, qu'on se dise, oh, ça ne devrait pas arriver comme cela. Non. Chacun a ce genre de problème. Cela m'est arrivé. Et je dis toujours non. Si je dis non, Baba dit, ne pensez pas comme ça. Nous devrions transformer nos pensées perdues. Et donc, plus nous allons rester dans le souvenir, plus le pouvoir des pensées perdues va tomber. Je m'excuse, je traduis ce que j'entends. Alors, c'est le don de Dieu. Donc, avoir une vision élevée, quelquefois, il y a des histoires qui arrivent, il y avait une communauté, il y avait des soucis. Il y avait une lutte, une bataille. Ils ont eu besoin de soldats dans l'armée. Ils ont pris tout le monde, mais pas ce garçon. Usse apne man ko hamesha
Thanks, Donc, baby. Tout le monde était perçu à la guerre, mais cette famille était contente que son garçon n'y soit pas allé. Nous devons garder une attitude très élevée. S'il y a des comptes karmiques, ce sera utile pour nous de vraiment nettoyer, régler ces comptes, de porter attention sur l'effort, et l'effort est de se dire que c'est un don de Dieu. Tout est un cadeau de Dieu. Nous devrions rendre tous les dons que nous avons reçus de Dieu, de les rendre utiles et d'obtenir le succès. Donc, nous allons nous souvenir de Baba encore et encore parce que nous focusons sur ce point. Même dans Bhakti, il disait que c'est, tout était un cadeau de Dieu. Donc, nous allons barater un petit peu sur ce sujet. Om Shanti. Karan Karavan Prabhu ki den. Karan Karavanar, le don de Dieu. Le Père Karavanar m'inspire dans l'action au moment de faire quoi que ce soit. Souvenez-vous toujours du mot Karavanar. Alors, il n'y aura pas la conscience du « à moi, mes idées, mes devoirs ». Parfois, il y a beaucoup d'ivresse de votre devoir, mon devoir. Mais qui est le donneur qui a donné ce devoir? Ces devoirs sont un don de Dieu.